Salut à tous, c'est Unchained. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui, j'ai envie de vous reparler de l'addiction. Alors, il y a déjà eu des vidéos sur la chaîne qui sont sorties sur des jeux où je suis tombé addict. Et ça a encore frappé. J'ai un coupable! Ce youtubeur, elle est jolie sa petite tête, hein. C'est Cradoc, un ami à moi, qui m'a présenté un nouveau jeu vidéo. L'histoire commence un soir où il m'invite sur sa chaîne YouTube à tester un tout nouveau jeu. Et depuis ce moment-là, ce jeu, j'en rêve la nuit. J'ai envie d'y jouer. Le problème, c'est que si je commence à y jouer une minute, c'est fini. Je vais y passer le reste de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai craqué. Et on va y jouer ensemble. Ah, je suis foutu! Et tu l'es aussi avec moi! Parce que je t'entraîne en fait là dans ce jeu de malade! Pet Simulator. Ça te dit peut-être quelque chose. Et pour ceux qui ont jamais entendu parler de ça, de leur vie, vous allez être très surpris. Je vais arrêter de parler et je vous souhaite un bon visionnage. Ok, choisis deux pets! Alors, pets, ça veut dire animaux. Ben là, mec, je vais prendre le toutou. Le toutou, c'est mon préféré, frérot. Oh, je peux encore en prendre un deuxième? Et puis, je prends le deuxième toutou, je m'en bats les couilles. Alors les amis, ça faisait longtemps qu'on s'était plus retrouvés sur Roblox. J'ai mes deux petits toutous avec moi. Et ces toutous vont me permettre de devenir riche. On est ici dans une arène où on peut voir qu'il y a des pièces qui popent au sol. Le jeu, comment il fonctionne? Les petits toutous là que je viens d'avoir, ils sont en train de manger et ramasser les pièces pour moi. Là regardez, j'ai un compteur en bas où il y a marqué je suis à 150 pièces, ça augmente petit à petit. Et je gagne aussi des petits diamants. Ceci est ma toute première arène. Et là-bas, il y a l'arène 2 qui m'attend pour 900 de gold. Alors, j'ai déjà joué sur la chaîne de Cradoc, hein. Je me suis juré de pas y jouer après la vidéo de Cradoc, frérot. Je suis en train de le faire. Si Cradoc, tu passes par là, va te faire. Pardon, excusez-moi. Alors c'est trop mignon et tout. Dites-vous les amis, je suis tellement rendu devenu addict que je connais même les easter eggs. Par exemple derrière cet arbre, regardez ce que je peux trouver. Oh, une patte. Oh, j'ai gagné un shiny. Bon, il y en a un sur 85 à débloquer. Je vous jure, j'ai même maté des vidéos sur YouTube tellement j'étais addict. Alors comment ça fonctionne un petit peu? Je crois qu'ici j'ai des récompenses. Et là par exemple, je peux gagner ma première récompense de noob parce que je suis niveau 1. Ça me donnait combien de diamants? Les sous-sous. Alors vous avez vu les amis, déjà les sons d'effet avec des pièces dans les oreilles et tout, ça donne envie, tu vois. Là le prochain défi par exemple, tu vois, c'est d'attraper 3 œufs. Alors les œufs, comment ça se passe? C'est qu'avec l'argent là que je viens de débloquer, je peux aller ici dans le shop. Et c'est ici où tu deviens addict en fait. Là par exemple, toi j'ai un œuf, il coûte 92 pièces. Dedans je peux avoir 4 animaux. 25, 25, 25, 25, c'est leur pourcentage de chance que je les ai. Donc là c'est à peu près équilibré. Si je vais ici, celui-là coûte un peu plus cher et dessus j'ai 64% d'avoir un lapin, 29 un poussin et 6 d'avoir un panda. Au plus, ton animal est rare et ton œuf coûte cher. En plus, ton animal va être extrêmement cheaté. Et vous avez vu tous les œufs là que je peux débloquer? J'ai loin d'avoir fini, hein. C'est moi qui te le dis, mon gars. C'est quoi? On va en ouvrir les premiers œufs. Oh! Alors là, il faut que je tape pour l'ouvrir. Non, mais t'as vu comment c'est addict, mon gars, c'est trop bien fait. J'ai eu le chicken! Ok, j'en vois un autre. J'ai dépensé toute ma thune. Le bunny! Allez, j'ai 6% d'avoir le panda, s'il te plaît. Le bunny encore! Le chicken! Et là, regardez, ils sont derrière moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés où mes toutous du début? En fait, tes pets, ils vont être remplacés par les meilleurs que t'as. Là, par exemple, tu vois, mes pets, là, ils sont niveau 3, niveau 3, niveau 2, niveau 2. Et ceux-là, ils sont en arrière parce qu'ils sont que niveau 1. Et pour l'instant, dans mon équipe, je peux en avoir 4 sur 4. Et donc là, on y retourne. On retourne dans les pièces. Et là, normalement, je vais en gagner beaucoup plus rapidement. Ah ouais, ça augmente très, très, très vite, là. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que, tu vois, je peux les laisser travailler. En attendant, je peux aller récupérer ma deuxième récompense. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Une sorte de fiole x2, là. Ça augmente la vitesse de mes pets de 25% pendant 15 minutes. Allez, tu sais quoi? J'en utilise une et là, regardez en bas, elle est utilisée. Ok! On va directement acheter l'arène numéro 2. Yes, je vais acheter. Wouhou! Alors là, l'arène numéro 2, vous voyez, j'ai beaucoup plus de pièces. Mais tu sais, j'ai même des énormes caisses de pièces et tout, mec, c'est dingue. Et ici, qu'est-ce qu'il y a là? Oh là, c'est pour avoir de la vitesse en plus. Ok, là je prends directement, ça m'a coûté 32 diamants. Vous voyez, les diamants ça va être très important. Donc là vous voyez, je marche beaucoup plus rapidement, c'est grave cool. Et je peux directement prendre l'arène 3, allez je prends instant. Je perds pas de temps, l'arène 3, elle est à moi. Yes! Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Alors là, je peux acheter plus de pets. Très certainement ici là, j'ai pu être limité à 4 sur 4. Donnez-moi tout! Oh, j'ai débloqué une maison là. C'est quoi ça? Oh, c'est pour revenir à la maison. Ok, j'ai un canon qui me permet de directement ici venir. Et là, regardez, j'ai débloqué l'œuf de l'arène 3 et l'œuf de l'arène 4. J'ai 25% de chance d'avoir un perroquet et 2,9% de chance d'avoir un guépard. Ouais, ça coûte 650, je prends. Oh, le perroquet! Alors, je pense que je vais en prendre 4, hein. L'éléphant, ok, c'est celui le plus commun. Oh, what the fuck! J'avais 2,9% de chance de l'avoir. Ça, les amis, ça va beaucoup m'aider. Oh la dinguerie, donc là vous les avez vus. Vu que c'est mes personnages les plus forts, ils ont été directement automatiquement remplacés. Oh là attends, j'ai des diamants gratuits là. C'est quoi cette dinguerie?
375 diamants. Ah, je reviens dans une demi-heure. Ah oui, je reviens quand tu veux, mec. Hop, la nouvelle patte. Là, il faut que je monte à 8000. C'est énorme. Ça va être très important d'acheter ça. Ça s'appelle un magnet pour que j'ai directement, en fait, toutes les pièces qui se tépaient à moi, tu vois, quand je suis dans une zone. Exemple, je me mets dans une zone, vous voyez. Vous avez vu là les pièces magnétiques vers moi. Je suis pas obligé de passer dessus en fait. Ah, vous avez vu les dégâts comme ça va plus vite là. Je suis déjà à 10 000, j'ouvre. J'achète. Et les amis, on est déjà à l'arène 4. Et ici, il y a marqué pet equipment. Donc là, je vais avoir plus de 4 pets. Comment faire par exemple si je vais en équiper un? En plus, c'est 250. Je prends. Là, j'ai des récompenses. En plus, on va prendre ça. On va prendre ça, c'est un livre. Ça, c'est une fiole. Ça, c'est un livre. Ici, j'ai une fiole qui fait 15% de damage supplémentaire pour mes pets pendant 10 minutes. On va la prendre. Ici, j'ai des livres. Donc ça, c'est directement pour mettre ici. Attends, j'ai débloqué encore de nouvelles récompenses. Oh là 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 là. Les amis, je vais pouvoir acheter directement un pet en plus. Ça coûte 500. Bam. Donc là, vous avez vu là? Derrière moi, là, j'ai plus de pets. Je suis passé à 6. Mec, à la fin, tu vas voir. On va avoir tellement de pets derrière nous. Là, regardez comment on va vite pour tout casser. Est-ce que tu te rends compte quand même que l'addiction du jeu, comment c'est bien fait, comment c'est bien texturé. Moi, j'adore un petit peu ces cartoons. Ces cartoons, mais pas non plus trop. C'est facile à comprendre. On est déjà à 45 000, j'ai pas fait gaffe. Hop, on va prendre ça. Waouh. Alors là, mec, on arrive directement. Il y a des coffres, frérot. C'est des... Ils sont énormes, les coffres. Allez, t'as fait bien, les gars, ok? Je vais directement prendre ça. En plus, il y a une nouvelle fiole. Cette fiole, elle sert à quoi? J'augmente de 20% tout l'argent que je gagne. Let's go. Prenez tout, les gars. Prenez tout, prenez tout. Oh, j'ai gagné une pomme. Non, mais mec, on va avoir des items et tout, des trucs pour donner à nos animaux pour les améliorer et tout. Et en fait, tu vas comprendre que dans son jeu, petit à petit, tu vas avoir des pets, des animaux qui vont être extrêmement rares. Et moi, j'ai envie, dans cette vidéo, de débloquer un giga pet. Tu vois, c'est vraiment un animal, il est énorme. Let's go, là je suis à 213 diamants. Du coup, je vais pouvoir directement débloquer ça. Je sais pas trop ce que ça fait, mais j'ai envie de le faire. Ça me débloque quoi, ça? Diamant, diamant. Mais ça sert à quoi? Je viens de débloquer un truc diamant, je sais pas à quoi ça sert. Alors là-bas, regardez, j'ai un défi. Et si je le termine, je gagne n'importe quelle récompense qui est ici. C'est une dinguerie belle. Allez, j'y vais. Je dois arriver jusqu'à la fin pour une récompense. Je dois pas toucher les lignes rouges. Pour l'instant, c'est plutôt simple. On va aller dans le côté facile. Hop. Hop, oh, c'est S pour l'instant. J'ai un timer au-dessus. J'espère que si je fais peut-être un bon timer, j'aurai une meilleure récompense. Je sais pas. Allez, la récompense, c'est parti. Un truc bien. Ok, nouveau record. J'ai gagné un livre avec une étoile et une fiole. Moi, bon, je prends instant, frérot. Ah, je vais prendre le canon. Je vais me téléporter, je vais aller ouvrir des œufs. J'ai des pets plus rares. 5, 6 et le 7. Alors, je débloque directement le 7. Directement prendre le meilleur œuf, ok. Là, j'ai 4,7% d'avoir un pet épouvantail. Ok, j'achète, ça coûte 6000, j'en prends là. Ok, j'ai eu l'abeille. Encore une abeille. Allez, un petit rare, s'il te plaît. Encore une abeille, mince. Ah, encore une abeille. Mais frérot, j'ai que des abeilles. C'est le dernier. Encore une abeille. Bon, c'est que des abeilles. On y retourne. Je peux aller là, je crois, pour avoir un pet en plus. Oui. Donc là, je passe à 7. Total, tu peux avoir 99 pets d'air, toi. Là, je peux avoir 15 bords pets, par exemple, pour 375 Robux. Oh, ça commence, les gars. Non, 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 non. Commence pas à dépenser, frérot. Commence pas à dépenser, là. Pas tout de suite. Oh, si j'invite un ami, frérot, je gagne 500 000. Invite, invite, invite. J'ai invité tous mes potos. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, à rejoindre ma page Roblox. Uncharted, les amis, comme ça. J'ai 2600 abonnés. Je savais pas qu'on pouvait gagner des abonnés sur Roblox. Allez, c'est parti, les gars. Aria 6. Bye. Yes. 60 000. Alors, il y a beaucoup de cadeaux et tout. Là, je gagne quoi là? Oh mince, il me donne des récompenses de ouf là. Attends, il dit quoi, il faut que je prenne. Voilà, en plus, mec, je gagne un œuf qui me donne un pet de ouf. Oh, DHM, je suis addict, c'est fini. Ça y est. Ouais, ça y est, frérot, j'achète. Premier achat de pet immédiat. Ouais, je suis obligé, frérot. Là, mec, j'ai un overboard, frérot, regarde, qui va trop vite, mec. Plus, normalement, j'ai un œuf ici. J'ai 0,05%. Je sais pas ce que c'est, frère. Allez, on va. C'est quoi, on ouvre, frérot? On voit ce qu'on a. Regarde le feu, regarde le feu, regarde le feu, regarde le feu. Je tape dessus pour augmenter mes chances. Je tape dessus. J'ai eu quoi? Ah, c'est un emoji, c'est pas un chien. Ah, si, si, c'est bon. Alors, mec, celui-là, par exemple, c'est une dinguerie parce que, regarde, je peux le revendre pour 250 000 diamants. J'ai 25 000. Il y a tout un aspect d'achat-revente dans ce jeu qui est trop cool. Par exemple, tu vois, celui-là, par exemple, le perroquet, il y en a 188 millions qui existent sur le jeu. On s'en fout. Tu vois, le tiger, il y en a 60 millions. Le bunny, il y en a 1 milliard qui existent, par exemple, tu vois. Mais le but, c'est d'être le plus riche, c'est quoi? Le but, frérot, c'est d'avoir les pets les plus rares du jeu, tu vois. Oh, arène 7, on débloque. Attends, j'ai trop d'argent, frérot. J'ai trop d'argent. En fait, avec le pet que j'ai débloqué là, j'ai trop d'argent. Je débloque tellement d'arènes là. What? Ça coûte quoi? Ça coûte un lingot, ça? Quoi? C'est quoi? J'ai pas, j'ai que des sous. Comment ça? Comment ça? Egg machine, c'est quoi ça? Je teste. Ça sert à quoi? Je crois que c'est pour ouvrir plus d'œufs à la fois, genre. Ah, c'est bon! En fait, un gold bar, c'est 1 million de pièces. Et donc là, je peux acheter. Les amis, on est passé à l'arène 9. Et là, je peux acheter des enchantes aléatoires pour 625 000. Attends, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Attends.
What? 250, 500? Oh! Donc là, je suis passé niveau 2. J'ai débloqué cet endroit. En fait, ça permet de revenir au début beaucoup plus rapidement. Ah! Alors, j'ai pas débloqué ces œufs ici, mais j'ai débloqué directement celui en haut, là, frérot. Oh. Alors, dedans, j'ai 6% d'avoir le toutou parapluie. C'est parti, hein. Ah, d'accord. En fait, je peux en acheter plus à la fois d'un seul coup. Là, par j'en ai acheté 3. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, mince, j'ai eu le mauvais. Allez, s'il te plaît. Ah, 3, let's go, les gars, let's go. C'est parti, encore 3, les gars. Oh, let's go, c'est bon, j'en ai eu 2 froggy qui sont plutôt pas mal. J'ai 4 barres. Ok, donc là, je peux acheter pour 2 barres et 500 000. Ah, il y a un pet. Il y a un pet toutou, là. Oh, là-bas, c'est pour avoir des pets en or. Il faut que j'ai 10 fois le même pet pour en avoir un en or. Donc là, je peux pas, par exemple. Ok, ben c'est pas grave, les gars. On va se téléporter à la base et on va tenter d'acheter 10 fois le même pet. Attendez, quoi que... Attendez, avant d'acheter 10 fois le même pet, j'ai envie d'aller là-bas, là. Regardez ici, là. Je suis jamais encore allé un petit peu. Ok, VIP only. Comment ça, VIP only? Oui, oui, je veux être VIP only. Je veux y aller là-bas. Je vais passer VIP. J'y vais. C'est acheté. Deuxième achat. Ok, alors du coup, c'est-à-dire que je peux rentrer ici. Oh, il y a des poteaux. Attends, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Oh, c'est-à-dire que le gars, il reste là et gagne beaucoup plus de diamants. Regardez, les gars, les diamants que je gagne en étant ici. What the heck? En fait, c'est un espace pour avoir full diamant gratos. Et là, en plus, j'ai une récompense. Oh! Alors, mec, j'espère que c'est bien parce que j'ai mis quand même des Robux. Hein. J'ai 3 cadeaux. Ok. Ok, ok. C'est rentable, c'est rentable. On s'est parti là. Il faut que j'ai 10 fois le même pet pour en avoir un en or. Donc je pense que je vais débloquer celui-là. Ça coûte 350 000, frérot. Je vais en acheter 3. Donc là, j'ai eu 1. J'ai 2 fois Platpius, ok. Oh, j'ai eu un dragon. J'avais 5% de chance de l'avoir. Oh, trop bien. Je crois que j'en ai 7 fois là. Oh, mince, je l'ai que 8 fois. J'ai plus de sous. Non, je l'ai que 8 fois. Faut que j'aille refaire de la tunasse là. Ça va pas du tout. Je vais en acheter plus que 2. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai 10 fois. Ah, s'il te plaît, tu me mets bien. Oui, je peux le prendre. Et je peux l'aller en or. Je l'ai en or. Oui, j'ai un pet en or. C'est quoi la différence de dégâts? Ok, alors il fait 329 de dégâts, tu vois. Mon dragon, il fait 269. Tu vois, de base, il fait 244. J'ai transformé en or. Il fait combien? Il fait 329. C'est vraiment pas mal. Un coffre de ouf, c'est quoi ça? Ouais, le coffre, il a énormément d'HP. Go le taper, les gars. Go taper le coffre. Qu'est-ce qu'il donne? Ok, il a donné énormément de thunes, mec. Ok, c'est bon, je peux acheter la prochaine arène. Yes. On passe à arène 11. Wouhou. Alors, je vais jamais aller aussi loin. Ah, là, j'ai un minefield. Oh, c'est un nouveau labyrinthe. Ok. 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 Oh, oh, je suis foutu. Je le sens bien. Ok, bon, heureusement que le vert, il reste vert, hein. Sinon, je serais vraiment dans la... J'ai envie de tenter à droite. Mais j'allais tout droit alors. Ah oui. Bon, en fait, il fallait que j'aille tout droit. Oh, mec, c'est trop un cheat code d'aller tout droit. Mais mec, en fait, je sais pas si j'ai beaucoup de chance ou pas. Finish. J'ai passé la ligne d'arrivée là. Bon, on va t'installer à gauche. Hein. Yeah. Let's go. Wow. C'est quoi ça? Mais pets ont 35% plus de chances d'avoir un bonus. Ah, mais sauf qu'on doit le mettre sur un Huge ou un Titanic. Ah, donc ça, en fait, les amis, de base, t'as les pets. Ok, ensuite, tu peux avoir des Huge et des Titanic. C'est extrêmement rare d'en avoir un. Je connais des joueurs, frérot, ils y ont joué des centaines d'heures, ils en ont un. Pour l'instant, tu vois, ils sont petits, tu vois. On va prendre l'autopharma, allez, c'est parti. Sauf que si j'oublie de cliquer. Ouah, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Oh, il y a un coffre, il y a un coffre. Tapez, tapez, tapez le coffre. Ok, on est à 14 millions. 15 millions, arène 12. Yes! Wouh! Oh, oh, c'est brumeux et tout ici. J'ai 51 000 diamants, mec. Je sais même pas comment les dépenser, frérot. Là, je peux avoir quoi? Un speed pour mes pets. Comme ça, ils vont taper encore plus vite. Let's go. Allez, tapez vite, tapez vite. Oh, je sais qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire. Avec mes diamants, je suis débile depuis telle heure ce que je peux faire. Je peux avoir plus de pets avec moi. Oh, je suis trop un noobs, les gars, je m'excuse. Ah oh, oui, les gars. Là, je peux avoir un pet en plus, un pet en plus, un pet en plus. Ah, mince, là, après, il faut être en 3. Ok, je suis un peu bloqué. Sauf que là, avec ça, 375, j'en ai 15 en plus. Je suis addict. Hein. Après, voilà, c'est comme ça, tu vois, je m'amuse, mais... Heureusement que j'en fais une vidéo, les gars, c'est l'excuse. Ouah, tous les pets que j'ai. Oh, ça va aller tellement vite, les gars. J'ai un free gift dans 3 minutes, et là, j'ai de l'autofarm. J'ai gagné une comète. Ah, c'est ça, la comète? What the fuck, les gars, la comète, elle avait les HP, donc ça, c'est encore plus d'HP que le coffre qu'on a eu tout à l'heure. Ça va donner quoi? Je suis passé à 43 millions. Prochain.
Waouh, arène 13. Oh là, je peux augmenter mes potions. Venez taper là, là, les... Ah, et en fait, ils auto-farment sur une base. Voilà, donc là, je les appelle et je leur dis d'auto-farm ici. D'accord. Bon, en vrai, les amis, là, il faut 80. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter mes pets. Hein. On a débloqué 4 nouveaux œufs. On va prendre lui. Ah, ils sont stylés, les œufs, frérot. What the fuck, j'ai l'air de piquer. Ok, alors j'ai eu un griffin et 2 ours. Là, il faut que j'arrive à avoir celui-là. J'ai 1% de chance d'avoir le corbeau. Ok, 3, 6. Oh, j'ai eu 3 ours, dommage. Et le dernier. 12. Ils sont mes pets. Ils sont en train de farmer pour moi, je vous jure. Ils sont mes pets. La vie de Wham. Je les ai laissés farmer. Ah, la thune, elle est là. Ah, d'accord. Oui, je suis monté à 51. En fait, c'est trop bien de les laisser taffer là. C'est trop, trop bien. Ouais, je la dingue. Je les laisse en fait taffer là-bas. C'est monstrueux. C'est vénère. Faut juste que j'ai un ours en plus. Ok, c'est bon. Je vais faire un ours golden. 10. Il va passer de 335 de dégâts à 437. Let's go. On monte à 125, on achète ça, on passe à arène 14. Je vais leur arrêter de faire l'auto. Ils vont tous venir ici, ils vont refaire auto. J'ai un cadeau gratuit, c'est parti. Ça m'a donné quoi? Des items gratos. Je crois au plus t'attends, si je joue pendant 3 heures, après je vais vraiment avoir un énorme cadeau. T'as vu comment ça, c'est addict ou pas? Toutes les récompenses qu'il y a, l'évolution qu'il y a, les pets. Mais vous avez vu les amis maintenant, mon équipe, comment elle met des dégâts. Là genre ça, c'est je commence un Pinata Event sur mon endroit où je suis. Là c'est je drop une pièce magique dans un endroit au hasard. Je vais faire ça. Ok, il faut juste que je trouve la jarre. Elle a spawn dans un endroit aléatoire la jarre. Je vais la trouver moi tout seul. Ok, là il y a un coffre qui a pop. Ah, elle est là la jarre, elle est là la jarre. Vous voyez ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi? Se remplir la jarre de pièces? Ça va être trop long, frérot. En attendant, en vrai, que la jarre, elle est en train de se remplir, ce que j'ai envie de faire, c'est de lancer cet item-là, la pinata. Ça fait une pinata dans mon arène. Ok, bon, alors, imaginons la pinata, je veux la faire... J'ai débloqué l'arène 15, c'est quoi? Hop. Je bloque l'arène 15. Ok, c'est une dinguerie, la pinata, je la commence ici. Ça fait quoi? Ok, donc j'ai lancé une pinata ici. Ok, je tape la pinata, d'accord, seul. Mes pets, ils sont en train de taper à côté. Ouah, ça me débloque des items. Y'a un mec à côté de moi. Ouais, tout ce que ça m'a donné, la pinata. Y'a un mec à côté de moi, frérot, il est en train de farmer. Regardez tout ce qu'il a. Non, il s'est taillé. Non, non, aide-moi, frérot. Rends-moi riche. Mec, j'ai un gars, il est passé, frérot, il était tellement riche. La jarre, elle est à combien, la jarre? Donnez beaucoup, donnez beaucoup. Je ramasse vos pièces. Allez, allez, allez. Il plus que 2. C'est bon. Ah oui, d'accord, ok, ça donne énormément. Je débloque l'arène 16. C'est quoi ça? Oh, je peux faire des meilleurs enchants. Yes! C'était ce qui manquait, les gars. Faut que j'augmente la vitesse des pets, là. Donc, on va faire ça. What the fuck, les amis, j'ai 1 milliard. Et je peux acheter l'arène 17. C'est trop fort, les livres. Vous avez vu, les livres, les amis, c'est vraiment pas un truc... Allez, on va améliorer les pets. Oh, il y a un joueur là-haut. Il a des gros pets. Du coup, ça s'appelle des huge. Wesh, le mec, il est en train d'ouvrir le dernier œuf. What the fuck? Hein, il s'appelle Chiri. Alors là, ce que vous voyez, c'est des pets titaniques, frérot. Et le gars, regardez la taille de ses pets. Mais what the fuck, attends quoi? Alors lui, c'est le premier où j'ai un pet, c'est aléatoire. Genre, regardez la point d'interrogation de la voix. Ça coûte 120 d'ouvrir, frérot, je suis en train de me ruiner. Oh, j'ai un Bobcat. Est-ce que c'est 5%? Je crois peut-être que j'en ai 10 des butterflies, j'allais voir ça. Oh oui, j'en ai plein. Lui, il a full des arc-en-ciel, frère. Arrêtez, les gars. Pour moi, j'avance vite, là, s'il vous plaît. Arrêtez de faire genre... Vas-y, on va prendre lui. Hop. Ok. Let's go. Moi, frérot, je sais pas te mentir, j'ai un gold pet ici. Hein. Oh, il passe là, je vais voler la thune qu'il fait. Ah ouais, ouais, ça donne énormément. Je commence vraiment à être loin. Oh, tous mes pets, ils sont là, frérot, toute la thune. Ah ouais, vous avez fait beaucoup, les gars, vous avez bien travaillé, hein. Je suis à 3 milliards. On va débloquer directement, je pense. Oh là, on a free potion. Free potion. On débloque ça pour 2 milliards 500 000. On est à l'arène 18, hein. Finaise. J'ai pas envie de m'arrêter, je vais pas m'arrêter, hein. Cette vidéo va durer 14 heures. Et j'ai envie de tester maintenant. On va remettre une comète. Allez, c'est parti, je viens de jeter une comète. La comète, ça donne tellement. Pour ça, il faut l'attaquer avec mes pets. Allez, donne-nous énormément. Ok, ça m'a donné pas mal. On peut directement acheter l'arène 19. Oui, c'est fait. Plus on va prendre directement ça, mes damages de pets qui vont faire plus de dégâts. On va remettre l'autofarm ici. C'est parti. Let's go. Alors, c'est quoi ça? Oh, je peux acheter des items totalement au hasard. On va prendre les deux. Voilà, sold out. C'est gratuit. J'ai tellement de diamants. J'ai 93 000 diamants, les gars. Mes pets, là, ils sont faibles. Hein. Je me rends compte, en vrai, ils sont assez faibles, mes pets. Hein. Ça va pas du tout, les gars. Ah, je peux acheter ça en plus. Bah, je vais acheter une place de livre en plus. Hein. Ça coûte hyper cher, mais je suis obligé, là. Oh, j'ai oublié de faire un truc. Prochaine fois, je vais acheter des pets. Je vais mettre des livres pour augmenter mes chances d'avoir des meilleurs pets. Ah ouais. Je peux mettre speed 3,
x 3, c'est énorme. Allez, là, ça va hyper vite. Hein. J'ai un coffre. Ça va être un record. Hein. Faut que je monte à 10K pour l'arène 20. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez lâcher votre gros pouce bleu. Ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Ok. 13 014 milliards, j'achète. Ouh, arène 20 de débloquer. Alors là directement on va prendre ça pour un plus de diamants. La prochaine elle est dans l'eau frère. Bon c'est parti, du coup ce qu'il nous reste à faire là, c'est changer nos livres. Et on va mettre des livres de chance. Donc c'est ça, Lucky Leg. Donc là j'ai mis que des livres pour augmenter ma chance, ok. On va voir si c'est le cas. On débloque le 28ème frérot. Et donc là, what the fuck, j'ai un axolot pour l'interrogation. Et lui, j'ai tenté de l'avoir plusieurs fois. Mais mec, ça peut augmenter ma chance. J'ai eu 3 fois celui-là. Mais mec, j'ai que le même. Ah ok, bon, j'ai eu un dauphin, d'accord. Non, mais vas-y, c'est de la triche. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Let's go, un deuxième. Alors, je vais tenter. J'ai envie d'ouvrir des œufs beaucoup plus en même temps. Egg Machines, voilà, c'est là. J'achète. Je vais augmenter mes enchantes de livres parce que j'ai beaucoup de livres. Par exemple, celui-là, je l'ai x6. On va le faire. En fait, je me rends compte que vraiment, il y a un business à faire de ouf avec les enchants. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Donc là, on va remettre, du coup, critique, speed, et ça. Mes pets, normalement, là, ils ont fait le taf. Regardez comment j'ai triché. Je suis à 10 milliards et là, je monte à... Waouh, 40 milliards. Je suis à 40 milliards. J'ouvre directement l'arène dans l'eau. Oh mon Dieu. Est-ce que les pets, ils vont venir sous l'eau? Oui, ils viennent sous l'eau. Mais en plus, regardez, c'est des... Et c'est tous des baleines. Oh, là aussi je peux avoir des récompenses, j'ai pas fait gaffe. Ok, là il faut que j'arrive à la fin pour avoir la récompense. Ok. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Ah, c'est de plus en plus dur, hein. On rigole pas, hein. C'est bientôt la fin là, je crois. Danger, de quoi danger? Oh mon Dieu. On y va, cours. Ok, je me cache ici. La boule, elle passe. Let's go. Je me recache ici. Et t'as pas intérêt à me toucher, je te jure. Ok, tranquille. Oh, ça a du truc dingue. Je suis dans la merde. Je suis passé. Celui-là, il va lentement. Aise. Le dernier. Je suis passé, let's go. Oh, j'ai que ça, je t'abuse. Donc là, hey, je commence à avoir des pets, 875 de dégâts, il faut qu'on passe à 1000 de dégâts. C'est combien? C'est 65, arrêt à 22, on y va instant. C'est énorme. On ramène mes pets ici, hop, vous pouvez recasser ici, les gars. Là, c'est quoi ça? Auto-tapeur. Ah ouais, les gars, je suis fatigué de taper, hein. Ah ouais, hein. Donc là, regardez, ça débloque ici, l'auto-tapeur. Ok, 230. Je prends. Et ça fait 1h30 que je suis en train de jouer là. Je vois pas le temps passer, hein. Waouh! Atlantis, ok, on va prendre ça. On va faire ça, Atlantis. C'est quoi, Atlantis? Je dois faire quoi? Ok. Je me dépêche. Allez, vite. Il est là-bas. Je vais lentement. Pourquoi je vais lentement? Oh! Puis attends. Allez, t'as fait. Je vais l'acheter de nouveaux pets là. T'as pas assez. On débloque ça. Alors, qu'est-ce que ça me donne? 3,5% d'avoir un dragon. What the fuck? J'en achète 7, ça coûte 21 000. Première fois que j'en achète 7. Regardez mon écran, quoi. Non, si. Ok. Allez, un petit s'il te plaît rare. Yes! Oh, j'ai eu 3 raies. Let's go. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, j'en ai 7, 8, 9, 10. Je peux encore en faire 7. Voilà. Allez, j'en fais un petit dernier. Voilà. C'est bon, j'arrête. Parce que là, dans mes pets, regardez, j'en ai beaucoup. Ok, putain, mais les gars, on augmente de ouf. On a déjà fait 3 lignes d'œufs qu'on a débloquées, quoi. Ah non, je voulais pas aller là, mince. Faut que je me fasse un pet en or. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est là les pets en or. Donc là, on va faire un pet en or. Avec ceux-là, j'en ai 21. Let's go. Il va faire 1350 de dégâts. On va voir toute la thune. Ok, ils mettent très, très bien. Il y a un coffre là à ouvrir. Les gars. Focuser le coffre. Let's go. J'ai un pet qui met 700 de dégâts, frérot. Ok, let's go. Plein d'items en plus. Arène 24, c'est débloqué. Let's go. Ok, on sort de l'eau, les gars. Prochain, c'est 750 millions. Attends, comment ça, je suis à 460 000? Attends, il y a un problème. Comment ça, ça va hyper vite? Ah, parce que je leur ai donné de la bouffe. C'est pour ça, ça allait lentement tout à l'heure. La bouffe, ça fait toute la différence. En fait, j'ai même pas fait gaffe, frérot. C'est une dinguerie. Hop, là, j'achète l'arène 25. Yes. Magnétique. Je claim. Waouh, c'est quoi ça?
Il est énorme. Bah, c'est trop bien parce qu'à chaque fois que tu débloques une arène, tu vois, où j'ai ça, c'est un rebirth. En fait, ça veut dire que c'est un revive. C'est en mode, je peux revivre, donc je recommence au tout début. Mais du coup, qu'est-ce que je gagne? Je gagne téléportation, 75% plus fort tous mes pets, une récompense et un clé de château. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais tenter de ouvrir le château grâce à cette clé-là en or que j'ai débloqué en légendaire. Les gars, est-ce que je revis ou pas? C'est-à-dire que je dois recommencer au début. Je vais garder tous mes pets, tu vois, mais ils vont être 75% plus forts. Mais ça m'arrive de recommencer au début, quoi. J'ai envie de rebirth. Parce que ça, j'ai envie de rebirth. Allez, c'est quoi, je rebirth, frérot? Je vais rebirth, les gars, je vais rebirth. Parce que ouais, mes pets, ils font plus de dégâts, frérot. Allez, je rebirth. Non! Non! Ah oui, d'accord, j'ai plutôt pas mal quand même. Mais en fait, les arènes, je vais les détruire en deux secondes là, par contre. Ah, mais même les œufs! Ah ouais, vous êtes comme ça, frère. Mais les gars, en vrai, c'était tellement smart de faire ça. Oh là 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 là, il vient de me faire un deal de ouf là, frérot, je prends. Des fois, il y a des deals comme ça qui pop devant tes yeux, t'as envie de prendre, frère. Alors là, je viens de gagner déjà des potions, mais qui durent 50 minutes, ok? Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser, ok? 50 minutes, 50 minutes. C'est énorme, ok? Et vous faites trop de bruit dans mes oreilles! Alors là, c'est les œufs de tout à l'heure. En vrai, j'aimerais bien avoir peut-être celui à 13%, ça serait une dinguerie. J'en open un. Il est là au sol, à la maximum de chance. Oh, j'ai le chat, ok, c'était celui de base, je crois. C'est très très fort, hein. Je vais les faire avancer quand même. Je traverse tout tellement rapidement. Allez, s'il te plaît, frérot, me donne pas le chat, me donne un autre truc cool, s'il te plaît, là. Allez, allez, un maximum de puissance, s'il te plaît, ça m'a coûté cher. Allez. Ah, j'ai encore eu un chat, mince. Ok, le dernier, s'il te plaît. Pas un chat, c'est quand même 70% de chance, c'est énorme. Oh, let's go, un chien! Let's go! Donc là, regardez mes pets, vous avez vu là, j'ai deux chiens, deux chats. Eux, leur point d'interrogation, ça veut dire qu'ils ont exactement le nombre de dégâts que mon pet le plus fort, qui est le Kraken pour l'instant. C'est énorme. Donc, tous ceux-là, ils ont 1350. Mais j'ai trop bien fait de revivre, en fait. Je suis déjà à Arène 14, les gars. 5 minutes later. Ah, j'y suis! Ok, je suis de retour. Attends, est-ce que je peux le refaire ou pas? Non, je peux pas le refaire. Ok, bon, en vrai, les gars, ça m'a pris vraiment peu de temps de le refaire. Je peux me téléporter à n'importe quelle zone que je veux. Au total, il y a 99 zones. Ok, je peux directement. Ah, mais les gars, regardez là, il me faut une patte de chat. C'est quoi ça? Bon, on va faire péter une TNT, j'ai envie de savoir ce que ça fait. Oh la tune, j'ai une patte de chat, c'est une platinum code, c'est 1 million de parts en or. Donc ça les gars, c'est 2 milliards. Ok, ça c'est 2 milliards. What the fuck, tout ce que ça m'a donné les gars, l'explosion de la TNT. On va directement pouvoir acheter ça. Oh là là, j'aurais envie de rouvrir des œufs là. Pff, on arrive chez les pirates. Il est temps que je me téléporte au spawn et que j'achète des nouveaux œufs. Tout ce que j'ai débloqué, ben oui, j'ai reset. Du coup j'en suis à cette ligne là. Hop. Tout est débloqué. On va remettre des livres pour un maximum de luck. Ouais, c'est parti. Oh, j'en ai eu deux, pas mal. Deux qui ont 5% de chance que je les ai, j'en ai eu deux. Ah oui, d'accord. Ah, là, ouais, le jeu, ouais, ok. Ok. Oh, let's go, j'en ai encore eu deux, des fish in bucket. Allez, dernier. Et let's go. Je reviens toujours ici. Tu vois, là, j'en ai 23 de comme ça. Je vais m'en faire deux en or. Ils font 2000 de dégâts, mais meilleurs en or. Ok, là, je peux me téléporter, du coup, comme je veux, ici, au 26. C'est trop bien. Là, à chaque fois que tu changes, du coup, tu remets dans tes équipements. On va enlever la chance. On met un magnète, un 3 speed, frérot. Et c'est reparti. Là, ça tape. Ok, on va pouvoir acheter l'arène 27. Oh, des pièces supplémentaires. Oui, bien. Merci beaucoup. C'est quoi ça, hein? On va aller faire taffer là. Donc là, hop. J'ai un petit nouveau défi à faire. Il faut que je pêche avec une canne à pêche. Ok. Je crois qu'il faut que je retire quand ça fait comme ça. Il faut que je tape de ouf, Je veux un livre et tout, mais c'est trop bien. Ah ouais, la dinguerie. 75, ça sert à quoi, par exemple, les petites pièces que j'ai là? Ok. Ah, là, c'est là. Là, je peux acheter, par exemple, des meilleures cannes à pêche. Ok, d'accord. Bah, quand j'achète une meilleure canne à pêche. Mais en fait, ce qui est bien, parce que je peux faire ça en attendant que mes pets, ils sont en train de taffer. Et ça m'a donné quoi? 88 de diamants. Ok, c'est cool. Mais les livres, c'est très très bien les livres, tu vois. Ça permet vraiment d'évoluer les items comme tu veux. Par contre, mes boosts, ils sont posés là. Vas-y, moi, j'ai pas envie de faire ça, frérot. Même mes pets, ils ont pas taffé, ils sont en train de dormir avec moi. Ouais. En fait, non, ils peuvent pas le faire en même temps. Je sais. Du coup, on va bien les laisser taffer. Ah ouais, à un moment donné, voilà. Allez, je peux acheter. Arène 28, c'est acheté. Donc, chaque arène donne tellement plus. Oh, c'est quoi ça? Je peux combiner des pets ensemble. Comment ça? Genre, par exemple, je prends lui, 3. Lui, là. Je veux 3 fois et ça me donne un pet au hasard. Ça m'a donné un shark en or. Mais c'est trop bien, en fait, de combiner les pets ensemble. Que lui, par exemple, là. Vas-y, je le fais une fois. Wouah, regarde ça, le pet que j'ai eu, frérot. Allez, on va se téléporter au spawn. Faut que je m'achète des meilleurs pets, là. Donc là, j'ai débloqué l'étage supérieur. C'est parti, un maximum de chat.
Oui, j'ai une petite vache, petit zébra, girafe, c'est cool ou pas? Ouais, bon, j'ai eu 17,5 en vrai de vrai, ouais. Ah, dommage. Allez, s'il te plaît. Oh non. Ah, j'en ai eu 3 là, des Africains Wild, mec. J'en ai beaucoup. Je sais qu'après, je vais en faire qu'un seul avec ça. Du coup, je vais en acheter plus. Ok, j'arrête là, j'arrête là. J'ai les portes. C'est où pour améliorer mes pets? C'est là, non? Oh, let's go. Oh, c'est trop fort. Donc là, j'en ai x37, frérot. Je vais en faire un max. Là, je vais gagner 3 girafes golden. Let's go. Ok, donc là, regardez dans mes pets. Voilà, j'ai 3 girafes golden de baiser. C'est un truc de ouf, là. Les dégâts que je dois mettre. On se re-téléporte ici. J'ai 2 récompenses supplémentaires. Des pommes et tout. Ok, je suis à 26. J'ai pas vu, j'achète. Let's go. On achète la red 29. Oh, je suis addict. C'est chaud, j'ai plus de vie, les gars. Oh, toutes les pets, ils sont trop mignons. Alors, j'ai envie de savoir si j'ai des pets un peu rares. Par exemple, tu vois, celui-là coûte 410 000 si je le revends. Celui-là, il n'y en a que 10 millions qui existent des girafes, tu vois. Au début, quand même, mes pets, tu vois, lui, par exemple, j'en avais 1 milliard qui existait. Au plus j'avance, tu vois, par exemple, la girafe, j'en ai 10 millions qui existent. Et il existe des pets, il y en a genre que 200 dans le monde, voire même 50. C'est rien du tout, en fait. Arène 30, c'est acheté. 2 heures que je joue. En vrai, est-ce que je me débrouille pas mal? Oh, let's go, ça, c'est un coffre de ouf. Oh, c'est un coffre de ouf. Oh, la récompense d'ouf. Je suis déjà à 54 milliards, mec. Alors, l'arène 31, c'est 100. Bon, ça devrait le faire. Là, je peux augmenter la speed de mes pets. Mais je vais la rename Unchained Pet Simulator, frérot. Ok, il faut que je remange un fruit, là. Mes pets, ils vont lentement. Les fruits, je trouve ça tellement cheaté. C'est vraiment des choses à faire. J'ai juste une comète aussi. Je vais attaquer la comète. Et là-bas, la comète, let's go. Je vais attaquer la comète, les gars. Ok, pas mal, pas mal. Ça m'a donné 20 milliards, la petite comète. Regardez, je peux acheter l'arène 31. Bam, c'est acheté. Voilà. Allez, venez ici, les amis. Voilà, allez, il faut 250. Les amis, c'est avec honneur que je viens débloquer les pets arc-en-ciel. Oh la dinguerie. Alors, comment ça fonctionne? Il en faut 10 en or pour avoir un rainbow. Là, c'est le prochain objectif qu'on va faire. Du coup, là, on va tenter de les améliorer, qui me rapportent énormément de sous, là. Et que j'aille acheter 100 pets le même pour que j'en ai 10 en or et qu'ensuite je fasse un seul rainbow. J'ai posé un drapeau de pièces pour avoir 50% de pièces en plus pendant 5 minutes. Là, le drapeau est posé, vous avez vu. Donc là, normalement, je vais gagner beaucoup plus de pièces. Moi, ça va me permettre, en attendant, les amis, que je me téléporte. Hop. Hop, alors, avec ça, 76%, c'est très bien d'avoir un 76%. Ça va me permettre d'en avoir beaucoup le même, en fait. C'est parti, j'en ai acheté énormément. Ok, j'en ai beaucoup, là, j'ai 5 dinos. Il faut que je monte à 100 dinos. C'est la merde. J'ai pas vu si ça a coûté cher. Oh, j'ai un shiny. J'ai combien de chance de l'avoir, celui-là? 5% de chance, pas mal. Oh, là, j'ai un squelette, oh mon dieu, ça serait incroyable. Ça coûte combien? Ah, ça coûte 6 quand même. Ah oui, d'accord, vraiment, jamais 100. Peut-être, en vrai, il y a moyen. Let's go. Go encore? Ah, je peux en acheter plus que 2. Alors j'en ai combien? J'en ai 31 plus ça. Les amis, j'en aurais pas assez. Hein. Je peux en faire exactement 4. Ok, bon, ça va, ça va, ça va. Tranquille. Et ça veut dire quand même que les amis ont plus fort maintenant. C'est quand même 3580. C'est énorme. Attends, j'ai eu un shiny, j'ai pas vu, regardez. J'ai eu Spitic Dino Epic et là, je l'ai eu en shiny. Du coup, regardez, il fait beaucoup plus de dégâts. J'ai même pas fait gaffe. Bon, on va retourner où mes pets, ils font de la thune. Waouh. Ok, voyons voir. Le drapeau, il fonctionne toujours. Regardez à combien je monte. 136. Il y a le coffre, les gars. Cassez le coffre. Let's go, let's go. Ok, les amis, je vais me re-téléporter du coup au spawn. Je vais m'acheter le dino. Ok, là, j'en ai 6 en plus. C'est cool. Il faudrait que j'aille acheter pour ouvrir plus d'œufs en même temps. Je vais aller voir où c'est. C'est là, je crois. C'est pas loin, en fait. Là, pour avoir plus de pets en fait. Ah bah oui les gars. Oh putain, je suis bête, j'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Des fois j'oublie vraiment des trucs basiques. Hein. Et c'est quoi pour... Ah c'est ça, ouvrir plus d'œufs. Donc là, ok là je peux débloquer ça, 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 ça. Ok, et là je reviens au spawn. Ah là je peux en acheter 11 alors, d'un seul coup, comme ça. Wesh. Oh let's go, c'est vraiment ce que je veux, que des dinos les gars. On en ouvre. Oh let's go, j'ai un petit toutou. Oh ouais, toutes les siennes que j'ai eues. Je crois que j'en ai assez là des dinos. On va voir ça. J'ai 4 dinos plus 76. J'en ai largement assez. C'est parti pour l'amélioration. Ok, donc du coup, j'ai envie d'en faire 6 exactement. J'ai 6 dinos. Plus je vais en faire 2 de celui-là en vrai. Regardez déjà mes pets. Ok, et de là où je vais me téléporter des airs pyramides. Donc là, normalement, bon, déjà, je vais avoir ma stune. C'est mon taf. 216 millions. Et là, normalement, je vais ici. Et là, je prends mon dino. J'en mets 10. Et là, j'en ai un en Epic Rainbow. Il fait 4320 dégâts. Il passe de 3500 à 4320. Ça va être hyper fort. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ici, là, tous mes pets pour l'interrogation font aussi 4320. Et ça devient mon pet le plus fort. Regardez s'ils sont à côté de moi, là. Le dino arc-en-ciel, on le voit instant, c'est lui. Vu comme il brille, là. Ça, c'est mes golden et tout. Oh là là, les pics de malade.
diamants. On peut acheter ça à l'arène pour 250 milliards. On passe à l'arène 32. Là, j'ai des diamants gratuits. Bam. Hop, on les fait taper là. Let's go. On va leur refaire manger des fruits. J'ai plus de fruits. Ah là là, ça pique. Nice. J'ai des tubas et tout. J'ai des trucs de partout, mon gars. Ça pique dans tous les sens. Ah oui, punaise, la vitesse. La vitesse, je suis déjà à 500. Ah oui, t'as vu le rainbow là, comme il est en train d'améliorer toute mon équipe de malades. Ah, j'avais pas fait gaffe, hein. Là, on mec, on est à masse. On est à max. Je peux pas faire plus que max que ça. Hein. C'est pas possible. Ouais, mec, y'a pas plus max que ça, frérot. C'est dead. Je peux acheter l'arène. Instant, frérot. Oh, attends, diamant en plus là. Hop, j'achète. Hop. Oh. Ah ouais, ça va très vite. Hein. J'achète ça. Ok, les amis, je vais vous poser là, ok. Hop, et je vais aller acheter des nouveaux pets, ok. Ok, j'en ai acheté 11 instants. C'est quoi le rare? Je sais même pas, j'ai pas vu. Ok, j'ai eu des... Ok, c'est chèvre et tout. C'est quoi le cher? Ok, chèvre, c'est pas mal. C'est 13%, c'est plutôt pas mal. Ok, c'est plutôt nickel. Allez, chance, chance. Oh oui, j'ai le bison. 1% chance de l'avoir. Ok, une petite chèvre. Oh, j'ai que des vaches, frérot. J'en ai combien des vaches, là? J'en ai 50. Oh, il y a moyen que je fasse un rainbow. C'est quoi, un bison? C'est le dernier, je crois. Oh, j'ai eu deux bisons. Heureusement que j'ai reset, les gars. Il faut absolument reset. Donc là, j'en ai 95. Non, j'en ai 95. Oh, le sub. On va faire un 9. Ok, ok, ok. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Très simple. Je me téléporte au safari. Je reprends un tout petit peu de thunes. Voilà. C'était pas grand-chose, hein. Je reviens au spawn, MDR. Je rachète juste 11. Juste 11. Voilà, j'en ai 7. Je me retépe à la mine et c'est bon. C'est ici, il faut que j'aille. Je me fais mon deuxième rainbow à une vitesse astronomique. 6690 dégâts. Oh yeah. Là, je me retépe là-bas dans mon safari. Ok, il faut que je leur donne des petits fruits. Il coûte 6000, je suis à 4000. Ok, on y est presque. Je vais en voir un peu là. Waouh, c'est énorme. Et il est là, mon dino mec, hein. Alors que je l'ai fait il y a pas longtemps. Hein. Il y a tout ça qui est plus fort que lui. Et on est à 6000, arène 36, acheté. En fait, j'ai mis les bouquins, ça va tellement vite, mec. Ça va tellement vite du moment où je mets les bouquins. Et puis c'est la thune qui reste là-bas. Bah ouais. Et 15, arène 37, validé. Ouh, oh, il neige. Oh, j'ai un Lucky Heads pour 275. Ah, vas-y, on va prendre. Je suis ruiné. En fait, vous avez vu toutes les micro-transactions qu'ils ont fait petit à petit? C'est une dinguerie, hein. Petit à petit, j'ai été attaqué par des micro-transactions. Un petit peu faites en soum-soum, mec. J'ai bien fait avoir. Let's go. Donc il est où? Edge Better Pet, c'est quoi? Ah, c'est pour avoir plus de chance? C'est juste ça? Comment ça? C'est juste avoir plus de chance en fait? Eh ben on va aller voir si c'est le cas, frérot, ok? Je vais aller en acheter. Alors, on m'a dit comme quoi j'ai mis full mes bouquins Lucky. Ok, ça me coûte 880. Ok, j'ai eu deux chiens, des chats. Moi, je veux la baleine à 0,8%. 0,28% de chance, ça serait une dinguerie. C'est quoi le plus rare là? C'est le chat le plus rare. Ou la panthère, là. Le léopard, j'en ai eu x2, c'est incroyable. Ok, j'ai pas mal de léopards. Encore un léopard. J'en ai combien de léopards? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 léopards, ok. C'est vraiment pas mal. Faut que j'en ai plus 4 encore, ça serait incroyable. Ah, ok, 7. Est-ce que 8? Il m'en reste plus que 2 de léopards à avoir, s'il te plaît. Je suis allé retourner chercher de la thune. Let's go, j'ai les deux. Let's go. Donc là, normalement, je vais avoir un léopard golden hyper. Ça peut être hyper. 7800 dégâts. Que demande le peuple, les gars. En plus, regardez ça, j'en ai 103. Je peux en faire, hop, 10. On va se téléporter au 31. Et là, je peux faire, hop, 8410. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien vu. Et donc là, regardez mes pets. La vache, elle est là. Tu vois, la vache boule, elle était quand même rattrapée par les chats. Je suis très content d'avoir le snow léopard ici, là. Je peux acheter. Let's go. Arène 38, c'est acheté. En vrai, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Est-ce que vous voyez le potentiel de malade? Era 39, arène 39, c'est débloqué. Ce qui est trop bien, c'est que ça va, tu vois, ça va quand même très vite. T'es pas là à attendre 20 ans sur une arène, quoi. Ça, c'est vraiment kiffant. Bon, peut-être parce que j'ai mis de l'argent, mais c'est. Oh, c'est une dinguerie. Je suis déjà là. C'est une dinguerie. Là, j'ai vraiment fait des pets de ouf, quoi. Et let's go! Arena 40 débloquée. On va débloquer l'arène 40. Je me suis dit, frérot, c'est parti pour le château. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah, let's go. Oui. Oh, c'est quoi cette dinguerie? Donc là, j'ai une spin. Oh là là. J'ai un ticket. Let's go. Alors, je peux avoir quoi? Oh, je peux avoir des livres de malade, s'il te plaît. Dinguerie. Oui. Oh, je suis fort, c'est pas mal, c'est vraiment énorme ça. J'ai quoi d'autre ici? Oh, je peux faire un Hulk pet! Ah, je peux pas en fait, j'ai 2 points, pour faire un Hulk il faut 50 points. Ok, faut pas de soucis, mais c'est une dinguerie comme ça, coûte cher mon gars. Faut 100 points pour l'avoir gratuitement, sinon faut faire des Robux. Wesh, ici c'est quoi ça? Voting bientôt disponible, Crystal Chest.
Ah, il faut une clé. Trading. Oh, c'est ça, c'est là le trade. C'est là pour trade. C'est-à-dire, en fait, faire, par exemple, vendre un pet pour avoir un pet meilleur. Ou te faire avoir, tu vois, ça dépend. Donc là, les amis, on est dans l'endroit. Oh, mais le jeu, il est ouf, frérot. Donc là, il y a tous les autres joueurs du monde entier, frérot. Et tous les autres joueurs du monde entier, vous avez vu, ils ont un truc comme ça. Comme tu peux leur acheter ça pour 150 000, par exemple. Tu peux leur acheter ça pour 3 millions. C'est un dragon. Il a l'air de faire très mal. Moi, par exemple, j'ai 192 000 diamants. Donc on va tenter de trouver un truc qui coûte dans ces eaux-là. Oh là, je peux acheter lui, par exemple, c'est un pet exotique. Oh, ça augmente la force de mon meilleur pet de 150%. Y aurait pas un huge pet? Ah, c'est ça, c'est des énormes chats. Ah, ça coûte 9 millions. Ah, d'accord. Ouais, je sais pas, c'est cool. Ok, moi, je suis chaud d'acheter ça, là. J'espère que je me fais pas avoir, s'il vous plaît. Donc là, normalement, attends, là, je fous tous mes diamants pour acheter un putain de livre de merde, je suis sûr. J'ai peur. On va vérifier ça. Ce que j'ai acheté, s'il vous plaît. C'est où? Ah, c'est un livre, ok. Donc ça augmente la force de mon meilleur pet de 150%. Mais mon meilleur pet, les gars, je vais vous dire un truc. C'est lui, ok. Donc là, ça veut dire que lui, c'est 150% plus que 8000. Et tous ceux-là, ils ont aussi cette force-là. Donc normalement, ça tape de ouf, là. On va aller vérifier ça. Ok, j'ai pas l'impression que ça tape vraiment fort. J'ai un peu le peur, là. Eh bien, les amis, j'espère que vous kiffez tous mes pets. Dédicace à mon Rainbow, là, juste à droite. Mes toutous vénères à gauche. Là, je pourrais y jouer toute la nuit. Pour vous dire, il est 6h du matin, d'accord? Aidez-moi, il faut que quelqu'un me soigne. Je trouve ça incroyable, des jeux comme ça, mes mecs. C'est un truc de ouf. Sur ce, les gars, ça me ferait trop plaisir si vous lâchez un pouce bleu. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir une suite sur la chaîne. Moi, j'ai vraiment envie de savoir vos retours. C'est très important pour moi. Ça me permet vraiment de savoir si je continue une série ou si j'y joue en cachette. Voilà, simple que ça. Des gros bisous à vous tous. Et vous pouvez juste cliquer ici si vous voulez voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. C'était Unchained, geek comme un porc. Bye bye. See you there. We'll be right back.